Et oui, Games Deza TV avec Gordon Deza, Alexandre Deza et Antoine Deza. Pourquoi tu fais du bruit quand je parle? Alors nous allons vous présenter ce qu'il y a dans ces boîtes mystères donc qu'on a acheté dans les couloirs de la Paris Games Week. Tu as acheté? Que j'ai acheté, oui, c'est sûr, personne m'a aidé. Hein. Mais toi, t'es pas là. Ne serait-ce que pour les porter ou quoi. Bon, j'espère que vous allez m'aider à les ouvrir. Maintenant, il y a à découvrir ce qu'il y a dedans. Et on va découvrir tout ça de suite, après le générique. On va commencer par la boîte la plus chère, hein. Donc je vous rappelle que ces boîtes mystères sont en vente sur l'instant, qu'on trouve dans les plus grands festivals jeux vidéo et manga dans les festivals. Pardon, je fais exprès. Alors, on va commencer par la grande boîte. C'est moi qui ouvre. Ok. Film. Alors tout le monde s'est moqué de moi hein, quand je les ai achetés, hein, les Robert, Karen, Marco là. Vous êtes foutus de ma gueule, hein. Draven Astaroth, Twitch était aussi, hein, quand j'ai acheté ça. Au lieu de me dire ah ouais, t'as raison, ça peut être intéressant, ah c'est cool et tout, c'est une bonne idée. Non, tous ils m'ont dit arrête Charlie, c'est de la merde. Vous allez voir, pour 50 balles tout ce que j'ai eu, tous les cadeaux que j'ai eu. Ha! Ha! Wow. Vas-y, jette la main dedans, vas-y, jette la main et prends un coup. Et c'est... Oh! Ah! Docteur Willy! Ah, une pop Megaman! Moi, je suis content. Franchement, je suis content. Je l'avais pas, celle-là, en plus. Donc, pour tous ceux qui se sont foutus de ma gueule, rien que pour ça, voilà, je dis ça vaut 50 euros. Oh! Je sais pas ce que c'est. Oh! Que peine. Ouais, bon, ils auraient pu nous mettre un autre... Ouais, bon, c'est pas le plus, plus intéressant de Cuphead. Alors, je sais plus combien il y a de cadeaux dedans, hein, mais je crois qu'il y en a une dizaine. On porte toutes les Battleborn, on a le jeu. Ah, on a le jeu Battleborn, bon, tant mieux, bah, écoutez, bah, ça, on a un porte-clé. Alors, ça, c'était ma crainte, c'est qu'ils mettent que du porte-clé dedans. Un truc à deux, trois euros. C'est. Un truc Halo. Oh, un badge Halo. Hein, voilà. Genre, on a été invité à la conférence Halo et tout. Ah, et là, vous pouvez même mettre des cartouches de mitraillettes, de fusil. Alors, après... What? Fallout, c'est un jeu. Un Fallout, tournant, c'est une figurine Fallout. Oh. Mais en fait, il y a 13 figurines à l'intérieur. Oh. Voilà, il y a des petites et deux plus grandes. Enfin, bon, bref. C'est pas... Voilà, Fallout, je suis pas super fan. À part, en tout cas, oui. T'es en train de niquer mon doigt, là. Très bien, autre. Un porte-clé encore Battleborn, ça ne signifie pas. Oh là, bon, un autre Battleborn. Non. C'est tout? Non, c'est pas. Comment on prend? Ah, déjà un plus petit. Oh! Qu'est-ce que c'est? Pour la voiture? Ah, pour que ça sente bon. Voilà. Parce que quand vous ouvrez la gueule, ça sent plus. Et ben, vous mettez ça dans la voiture, ça sent bon. Wow, c'est quoi ça? Ça sent quoi, le champignon? Oh, ça, c'est chaud. Bien, t'as vu ça? Ah. Ouais, mon verre. Wow. Oh, c'est rigolo ça. La voiture, ça aussi. Game on board. Ça aussi, gamer on board. Ça, c'est à mettre justement à la voiture. Voilà, petit gadget inspiré vaguement de Space Invader. Voilà. Alors, ça, c'était la boîte la plus chère. 30 balles. Bon, avec la pop qui normalement vaut dans les 14-15 euros. Et le reste pour 15 euros, ouais, bof, ouais, ouais, allez, on va dire c'est le tarif. Alors, et commencez pas à me dire non, c'est pas vrai, une pop, ça vaut moins de 10 balles, tu sais combien il touche, hein, il touche à moins de 8 euros, il touche à moins de 7 euros, ils se font une plus-value de 50% dessus, et toi tu crois que t'as fait une affaire en achetant. Ouais, vos gueules, d'accord? Ok. Deuxième boîte mystère, toi qui fais, c'est lui qui ouvre. Attends, comment. Ok. Il va me la défoncer. Il va me défoncer la boîte. Alors en plus, il y a, franchement, c'est des belles boîtes qui me serviront de déco hein, lors de nos prochaines journées rétro gaming.
Allez vous faire un café. Vous pouvez faire des tartines beurrées. Si vous avez du Nutella, voilà, profitez-en. Vous avez même le temps de passer le Nutella au micro-ondes pour qu'il ramollisse un petit peu. Parce que... Ah, ça y est, c'est ouvert. Mais c'est quoi cette... Oh putain. Oh mon dieu, il va pas s'en sortir. Tu casses pas la boîte. Il faut l'ouvrir. Tu me casses la boîte, je casse la tête. Voilà. C'est difficile d'ouvrir une boîte. Hein, regarde pas. Cette boîte coûte 20 balles. Regardez ce qu'on a pour 20 balles. Oh, truc de gamin. Ah je sais pas ce que c'est. Des gamins, une figurine cachée. C'est pas que je passe pas ça. Ah ouais, c'est vrai, mais il y a ce Megaman, il est dans ce que je vois. Oui. Oh, oui. Ah, alors voilà. Faut que j'aille un autre pixel. Wow. Yeah. Megaman, non, encore Megaman. Wow, putain, c'est le badge, carrément. Le porte-badge, là, le tour de cou, Megaman. Classe. Je vais aller dans tous mes festivals avec. Voilà. Ah, bon, ça vaut pas 20 balles. Allez, on va voir la sauce. Un gâchapops. Un truc Zelda, en tout cas. Zelda? Ouais. Cool, alors une petite figurine très certainement. On l'ouvre de suite? Vas-y. Unboxing. Unboxing. Si on a Link, c'est trop bien. Pourvu que ce soit Link et pas encore cette tête de cul de Ganondorf. C'est... Ah, il y a une épée. C'est Link Rouge. Ah, Link Rouge. Oh, trop bien. Oh oh. Oh oh. Oui, bon, on n'est pas dans les 20 balles encore. On voit. Encore un air fraîcheur. Oh non! C'est le même. Ouais, bah écoute, on l'offrira à quelqu'un. Voilà, cadeau, air fraîcheur. Oh, Sonic! Un pin. Oh, super! Un pin Sonic. Ça, c'est bien. Très bien, le pin Sonic. Sympa. Et rien. C'est tout? Ouais. Oh, mes 20 balles! Mes 20 balles! Mais, il y a une boîte cadeau. Pourvu qu'il y en ait pour 20 balles dedans. C'est toi qui filme. Bon allez, ouvrons la dernière boîte cadeau. Patience les gars. Un Pint Excelsior, c'est Stanley. Stanley Excelsior. Oh, rigolo. Ah oui, ouais, c'est ouais. Il dit ça dans Marvel. Oh, trop bien. C'est quoi ça? Des moutons de manchette. Boutons de manchette PlayStation. Je vais jamais mettre des boutons de manchette PlayStation dans la classe. Si un jour j'ai un beau blazer où il faut des boutons de manchette, genre à la soirée d'ouverture de la Paris Games Week, je viendrai avec les boutons de manchette PlayStation. Un truc Suicide Squad. Ah oui. Une figurine mystère. Oui, voilà, c'est tout. Je peux l'ouvrir. Donc, 50 balles, nous avons eu tout ça. Vas-y, filme un petit peu tout. J'ai envie de dire, ouais, c'est un peu l'arnaque, mais bon, après, ouais, bof. Vraiment, pour moi, le bon cadeau, c'est ça, enfin cadeau, j'ai payé un cadeau, il n'y a pas de cadeau. Je l'ouvrir. Et les boîtes qui sont vraiment très jolies. Je l'ouvrir. Allez, ouvre-le, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Si, il n'y a rien avec la Harley Quinn, c'est bien. Là, en espérant également que j'ai un Megaman. Et pas un chien. C'est pas le chien, pas le chien, s'il vous plaît, pas le chien. J'essaie d'ouvrir proprement, mais t'as. Moi aussi, j'arrive pas. On n'y arrive pas. Ouf, salement, allez, tant pis. Oh, c'est le Megaman bleu. Oh, yes. 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 Oh, ça va changer dans la vie. Il n'y a pas un autre cadeau dedans, je crois, quand même. Ouf. Mais tu vois, c'est celui que tout le monde veut, tu vois. Autant les autres, ils sont merde, c'est des mauvaises couleurs, on ne sait même pas qui c'est. Pas dire comment il est. Il est bleu comme ça, putain, stupide idiot. Il n'y a pas de truc ouverture facile, comme le fromage. Oh, il y a des trucs. Ouais, c'est bon, c'est bon. Une heure après. Ce sont peut-être des boutons de manchette en argent. Hein. Un crocodile. Un crocodile, c'est lui, là. Super. Ah, c'est Killer Croc. Killer Croc. Génial, je suis content, je vous l'offre. Merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette vidéo de la loose. Ah ouais, bon voilà, pour 50 balles, bon. Ah voilà. Bon, il y a eu quelques petits cadeaux sympas. Allez, on va dire c'est plus pour le fun et pour avoir de belles boîtes, hein, pour la déco. Donc merci de nous avoir suivis encore sur cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Achat. Après le générique. Il n'y a pas de générique, c'est le générique de fin. Allez, bye bye. Bye bye. Vous avez de la chance, il n'y a pas eu d'amibo.